Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et le make-up de cette palette. Cette vidéo est encore avec ma jolie Manon. Donc, vous avez sa vidéo en barre d'infos. Elle va également vous faire les swatchs et vous faire un autre make-up que le mien, je suppose. Donc, voilà. Il s'agit de la palette de chez I Heart Revolution, la Good Luck Charm. Donc, il y en a 4 de cette collection-là. Vous avez eu l'autre, la première hier. Et les 2 autres vont suivre demain et après-demain. Donc, celle-ci est dans les tons verts. Voilà. Quoi qu'il n'y a pas énormément de vert. Hein. Je trouve qu'ils auraient pu mettre un petit peu plus de vert. Là, vous en avez un ici très foncé. Un ici clair lumineux. Celui-ci qui est un kaki doré. Celui-ci aussi qui tire un peu plus sur le vert quand même. Mais sinon, le reste, c'est pas incroyable en vert, quoi. Dans celle-ci, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 mattes. Donc, c'est déjà beaucoup mieux que la première. Et voilà. Bah, écoutez, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Hein. C'est toujours des formats 18 phares, format 1 gramme et à 11,99€ la palette. Donc, ça reste très correct, question prix. La première était de très bonne qualité, celle que je vous ai fait hier. J'étais vraiment surprise. Donc, on va voir avec celle-ci ce que ça donne. Je vous laisse avec les swatchs en musique, je me rapproche et on attaque le make-up. Donc j'ai déjà poudré mon arcade sourcilière, mais il y a un beige, donc on va le tester, c'est le Wishbone, ici. Il a l'air peut-être un petit peu foncé, mais écoutez, on va quand même l'appliquer. Il y en a un, donc, ouais, il est un petit peu foncé et un peu jaune pour moi, mais ça va encore, c'est pas catastrophique. Ok, alors ensuite je prends un pinceau bleu. Un pinceau boule assez souple, un peu fluffy comme ça pour faire un creux large puisque je vais faire un halo eyes, j'ai envie. Donc je vais prendre le Reward pour mon creux, mon coin externe et mon ratis inférieur, comme là. Bon, c'est léger, c'est un camel. C'est très bien pour les teintes de transition si vous voulez faire quelque chose d'assez soft ou un smoky avec le noir qui est juste à côté. Voilà. Ensuite, je prends un 231 et je vais prendre la teinte Lucky, bien sûr. Hein, on va aller dans le vert, vous vous doutez bien. Et je vais donc mettre ça en coin externe et en coin interne. La couleur est très jolie, c'est un vert bouteille. Donc pareil en ratine, hein, externe et interne. Alors avec le même pinceau, je commence à dégrader le bord dans le marron, enfin dans le camel. Là. Ensuite, pareil, je reprends mon premier pinceau et je continue à dégrader. Je l'essuie pour enlever le reste de pigment et je reprends la première teinte pour bien flouter. Et j'en profite pour dégrader aussi ici sur la paupière mobile. Ensuite, je prends un pinceau plat. Et je vais prendre la teinte Clover, qui est le vert ici, lumineux, que je vais mettre de chaque côté de la transition avec le vert foncé. Il est très beau ce vert. Très belle couleur et très lumineux. Pareil sur le racine. Je reprends le premier pinceau pour dégrader le haut, l'intérieur de la paupière. Et je reprends le pinceau où j'ai mis le vert foncé pour dégrader les deux verts. Avec un autre pinceau plat, je vais prendre la teinte Destiny pour mettre au centre de ma paupière et en coin interne. Pareil pour le centre du ratine. Très joli argenté. Hein. Je
crois que j'ai pas l'équivalent d'un argenté aussi lumineux. Il est beau. Avec la tranche du pinceau, j'en mets au centre de mon ras-de-cils aussi. Avec le premier pinceau, enfin le pinceau plat où j'ai mis le vert clair, je dégrade. Et je reprends encore une fois celui-là pour dégrader dans le creux. Pinceau précision et toujours la même teinte argentée pour mettre en coin interne. Et j'espère que j'ai un crayon argenté, je crois pas. J'aime bien, c'est vrai que le vert on a tendance à l'associer au doré. Et là avec l'argenté j'aime beaucoup. Donc je vais mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure et un trait de liner noir et je reviens. Alors dans la muqueuse, comme j'ai pas de crayon argenté, il faudra que j'en achète un, je vais mettre le Catrice Matte To Stay, donc c'est un fard crème, j'espère qu'il n'est pas trop sec, qui est le Ronan Gone Bad, je crois, je vous montre parce que j'arrive pas à lire. Et avec le petit pinceau, oh, il n'est même pas sec quoi, incroyable, pourtant ils sont vieux. Le petit pinceau que j'ai utilisé pour mon coin interne, je vais mettre ça en muqueuse. Bon, il n'est pas assez argenté, mais bon, je n'en ai pas d'autre. Donc, on fera avec celui-là. Voilà, j'aurais aimé que ce soit vraiment argenté comme le coin interne et la paupière mobile, mais bon. Je fais avec ce que j'ai. Alors, mascara, courbe-cils, mascara, toujours le même. Et sur les lèvres, d'abord, je vais mettre un petit trait de liner de Pailletas avec le mini H&M, comme ça, argenté. Je vais mettre le Brave des petits jumbo comme ça, focalure. Et je viens vous montrer ce que ça donne. Et donc voilà le look final avec cette palette. Donc n'hésitez pas, vous avez la vidéo de Manon en barre d'infos. Allez voir sa vidéo, lui mettre des likes, vous abonner, lui laisser des gentils commentaires et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc bah écoutez, celle-ci, je suis encore une fois agréablement surprise. J'ai hâte de tester les deux autres là qui arrivent puisque c'est l'ancienne collection qui est sortie à Halloween l'année dernière. Donc ils sont poudreux, hein, je vous l'ai déjà dit pour la dernière, la première. Les fards sont poudreux, mais franchement, ils se travaillent très bien. Ils sont très bien pigmentés, ils sont très jolis. Je suis agréée, vraiment, vraiment bien surprise par cette collection de palettes jusqu'à maintenant, pour les deux-là en tout cas. J'ai vraiment hâte de tester les deux anciennes. Et voilà, après je me demande un peu ce que le petit mauve vient faire ici, à part pour la sortir avec le rose là à côté ou du nude. Voilà, il y a un mauve un peu bleuté. Ici aussi, c'est un argenté bleuté très foncé. On se demande un peu ce qu'ils foutent dans la palette. Je trouve qu'ils devraient jouer le jeu plus à fond et mettre plus de teintes en rapport avec le thème de la palette. Là, du Lucky Charm, c'est voilà, c'est vert, quoi. C'est censé être vert, donc mettez plus de vert. Bon, les packaging, on n'en parle pas, ils sont trop choupis. J'aime beaucoup et l'univers un peu magique comme ça m'emporte forcément. Donc voilà, j'ai hâte de tester les deux autres pour voir si je me ferai une petite collection de celle-ci aussi, mais ça me paraît prometteur. On verra bien de toute façon une fois que je les aurai toutes testées et le jour où ils en sortiront des nouvelles. Parce que là, les deux-ci viennent de sortir, les autres, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Hein. Mais voilà pour celle-ci, je suis encore une fois agréablement surprise. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, si ce make-up vous plaît. De me dire en commentaire si vous avez la palette, si vous l'aimez, si elle vous tente, si vous ne l'avez pas encore et est-ce que vous allez l'acheter. N'oubliez pas non plus de vous abonner si vous venez d'arriver sur cette chaîne. Et en attendant demain avec la Love Spell, voilà, moi je vous dis bisous bisous.